bien, bonjour à tous, c'est Alex Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur Homecity 2. Ce jeu a été développé et édité par Airsoft. C'est un jeu de simulation de bus. Il est sorti le 11 décembre 2013. Donc vous allez me dire, Alex Killer, pourquoi tu fais un jeu qui date de 2013, déjà plein de gens ont dû le faire sur YouTube. Je fais ce jeu parce que je me dis, par rapport à vous, ça se trouve vous ne connaissez pas ce jeu, vous avez jamais vu ce jeu. Donc je me dis, pourquoi pas vous faire une vidéo de présentation. Donc, si vous demandez pourquoi je ne regarderai pas, parce que j'ai un petit écran où j'ai écrit tous mes petits trucs. Donc ce jeu, en interface, est en français, anglais et allemand, mais le son malheureusement est qu'en allemand. On peut pas le mettre en français. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a des petits papiers. Donc le premier papier que je vais appuyer dessus là, qui vient d'aller là, c'est les numéros des lignes. Et ici, ça va être l'heure qu'il faudra que je suis pour réussir ma mission. Voilà. Donc ici, les papiers jaunes et blancs que je suis en train d'appuyer dessus là, c'est pour voir, attendez, je viens de les enlever, je vais les remettre. C'est pour voir les lignes, donc pour voir ici là où c'est en jaune, pour voir le numéro de la ligne, et en blanc c'est là où il va avoir le terminus de la ligne. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a la vue intérieure, il y a la vue passager. Donc on voit les petits sièges et tout, on voit l'arrière et tout. Voilà. Il y a la vue extérieure que je vous ai montrée, hein. On peut voir le tour du bus. Voilà. Et puis la vue libre, mais ça sera quand j'avancerai. Je vous montrerai peut-être. Voilà. Donc je vous préviens directement, il y a des menus que vous ne pouvez pas voir parce que Mirelix Action ne peut pas... enregistrer les menus, donc le menu où je vais choisir la ligne, le menu où je vais devoir voir l'heure, voilà, donc ces menus là. Donc là, regardez, il y a un bug par rapport à un bus, regardez, ils sont dans les airs. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais vous parler déjà. Donc ce jeu a des bugs, comme vous pouvez voir là, il y a un bus transparent qu'on ne voit pas, qui est en train de monter là-bas. Hein. Là-bas. Ah, c'est dommage, je ne le vois plus. Donc il y a eu un bug. Donc il a des bugs comme pratiquement tous les jeux, mais celui-là c'est la première fois que je le vois. Mais le bug que pratiquement tout le monde connaît, c'est le bug où il y a des personnes qui marchent dans le ciel. En gros, par exemple, le sol, on va dire, il est là et eux ils marchent ici. C'est pas normal, mais c'est un bug que les créateurs du jeu n'ont pas remarqué apparemment. Donc voilà. Ce jeu sur Steam coûte 32€. Voilà. Donc je vais choisir ma ligne qui est donc les numéros, les trucs vont s'afficher ici. Et ici je vais vous montrer comment ça marche. Donc d'abord je choisis ma ligne, mais avant ça je vais vous dire que donc nous sommes sur la map Grundorf. Donc ce jeu a deux maps. Mais moi, en tout cas, là, c'est Grundorf. Il y en a deux principales qui donnent dans le jeu. Les autres, il va falloir que vous les téléchargez avec des mods. Comme le bus que j'ai, là, le bus que j'ai, c'est pas un bus original du jeu. C'est moi qui l'a téléchargé pour l'avoir dans mon jeu. Donc là, je vais choisir ma ligne. Donc c'est parti. Donc c'est la ligne 76. Hop. Ligne 76, c'est la seule ligne qu'il y a sur cette map. Donc 11h37, ça peut aller parce qu'il est 11h28, donc ça vous voyez, vous pouvez pas voir. Premier arrêt burn-off, fin Krakenos. Donc oui, ça c'est les deux terminus qu'on peut avoir. On doit soit terminus burn-off ou soit Estendorf Krakenos. Donc excusez-moi, je suis pas allemand, hein. Donc je peux pas parler comme un allemand hyper bien, ça serait trop facile. Donc ligne 76, hop, donc Krakenos, voilà.
Donc là, vous voyez, l'alimentation s'est automatiquement allumée. Donc ici, on commence à voir Ink 76. Donc attendez, il faut que je le rebaisse. Voilà. Ink 76, et il m'a pas mis Crankinos. Hop, normalement ça va se mettre. Voilà, Estendorf. Crankinos. Voilà, comme vous pouvez voir. Hein. Voilà. Donc, maintenant d'ailleurs que l'alimentation a été allumée toute seule grâce à mettre la ligne, ça allume l'alimentation seule. Donc, comme je vous avais dit, ici on peut voir que ça s'est mis. Donc, burn off, deux fois burn off, je sais pas pourquoi. Dans speed, voilà. Je vais arrêter de parler allemand parce que c'est pas très bon pour moi. Hein, ça va vous casser les oreilles. Donc voilà, donc je démarre le moteur. Moi je joue avec mon volant. Hop. Ah, le son du moteur. C'est parti. Donc j'enlève le frein de parc. Tac. Et puis normalement on peut y aller. Ah non, il faut que je mette la première vitesse. D'ailleurs, ça je vous l'ai pas montré. Ici on a les vitesses. Voilà. Donc je vais me dépêcher, sinon on va être en retard par rapport à notre rendez-vous. Rendez-vous. J'appelle ça un rendez-vous. Donc c'est parti, première vitesse. Et on tombe sur un feu rouge. Donc aussi, je vais vous mettre un truc. En fait, c'est des petites flèches pour pas se perdre. Là, vous pouvez voir burn off. Pour montrer que c'est par la burn off. Donc c'est là où on va, burn off. Voilà, c'est parti. Excuse me. Il veut pas avancer. Il a bugué ou quoi? Ah voilà. En plus, comme par hasard, je tombe sur un feu rouge. Faut toujours qu'il bug quand il faut pas, quoi. Donc, on va attendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Donc c'est parti pour la ligne 76, direction Crankinos. Désolé pour les Allemands s'ils regardent, c'est désastreux. Allez, feu vert. Donc on a tout, on a le klaxon, on a aussi les lumières. Comme vous pourrez voir, les lumières. On a aussi, je crois que c'est ici, je ne sais plus. C'est ici, on a les essuie-glaces. Donc on va y aller parce qu'on va vraiment être en retard par rapport à notre heure. Donc on a les essuie-glaces, on a les warnings. Comme vous pouvez voir, le petit bouton rouge. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les ai mis. Je sais pas pourquoi je les ai mis, les warnings. Voilà, c'est bon. Donc là, regardez, le game marche en lévitation à moitié. Tiens, pardon, il y a mon téléphone qui a sonné à moitié. Une notification, je suppose, ou un message. Je verrai ça tout à l'heure. Donc voilà, j'arrive. Attention à arriver à côté. Toujours arriver à côté de... du trottoir, sinon regardez, il monte pas. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc là, regardez, j'ai mis des touches automatiques pour pouvoir donner l'argent et le ticket. Donc c'est parti. Hop. On y va. Allô? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié d'enlever mon frein de parc. Donc on y va, c'est parti pour cette petite ligne 76, direction Crankinos. Pourquoi pas un Crankinos? Vous voyez, il y a des petites flèches oranges qui vous indiquent
spécialement par où vous devez aller. Excusez-moi, il y a mon... Il y a mon... je sais pas si vous avez vu, il y a mon... Mon... Ah, j'arrive plus à parler, je sais plus quoi dire. Il y a mon... antivirus qui a mis un petit message. Donc là, vous voyez, j'ai mis le petit clignotant. Comme vous pouvez voir près du volant, vous regardez près du volant, il y a un petit truc vert qui clignote pour dire que j'ai mis le clignotant. C'est parti, je tourne. On va pas trop vite, on va pas quand même écraser les gens. Hop. Maintenant, en plus, je crois que je suis en avance. Je pensais pas. Oui, d'accord, monsieur. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le bus de Alex Killer 48. Oui, bonjour, bonjour. Eh, soyez un peu polis, non? Ils veulent pas être polis. Bravo les Allemands. Non, je vais rien dire, désolé. Donc on va continuer notre petite ligne. Eux, je sais pas pourquoi ils sont à moitié sur la route. Donc aussi, je peux vous montrer, on peut ouvrir la fenêtre. Regardez. Vous voyez, on peut faire plein de choses, on peut interagir avec plein de choses, avec plein de boutons, pratiquement tous les boutons du bus. Donc voilà, donc on arrive à notre arrêt. Hop, on freine. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue. Hop. Donc aussi, je vous mettrai le lien dans la description d'une personne qui fait des let's play sur ce jeu si ça vous intéresse. Parce que moi, je ne vais pas faire de let's play sur le jeu, c'est juste pour présenter le jeu. Donc cette personne, c'est GalaxHD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne entièrement simulation. D'ailleurs, si Galax, tu es dans ma vidéo, franchement, c'est très bien ce que tu fais. Tes let's play, tes... sur Train Valley, etc. C'est vraiment bien ce que tu fais. Même si je sais que c'est pratiquement pas sûr que tu me vois, que tu vois cette vidéo, mais voilà. Je tente quand même de dire ça. Ça serait bien que vous me laissiez passer, monsieur. C'est bon, là, il va avoir personne. Voilà, je peux passer. Donc voilà, donc Galax HD est vraiment... vraiment fort, il fait beaucoup de vidéos, il essaye d'en faire pratiquement tout le temps. C'est une très bonne chaîne YouTube que j'adore d'ailleurs. Et puis voilà quoi, donc on va continuer la petite ligne. Bonjour. Oh, le bug. Oui, d'accord, mais le monsieur derrière vous il a bugué, faites attention, bonjour, vous avez bugué. Hop, merci pour l'argent. Toi, t'as ton ticket, tu l'as pas composté, c'est pas bien, madame. J'aime pas les gens qui composent pas les tickets. C'est la fraude, et la fraude, c'est mal. Tu peux avoir de la prison. Non, je pense pas que tu peux avoir de la prison, mais une amende, c'est vite arrivé. Très vite arrivé. Donc là, on arrive... bah, une prochaine arrêt, c'est ici. Même s'il y a personne, je sais que les personnes veulent descendre. Bah, je vais passer, c'est pas grave, à la prochaine. Ah, je suis pas bien, hein, moi je laisse pas descendre les gens. Vous êtes emprisonné dans mon bus. Vous ne pouvez jamais vous sortir. Oh, doucement, doucement, on se calme. Doucement, le petit bête. Oula, la voiture, j'allais tourner. Mais toi, j'ai pas mis mon clignotant, donc ça se fait pas par rapport à la personne. C'est de ma faute, monsieur. Hop. Tac. Donc, on est arrivé au terminus, on peut voir les gens qui descendent. C'est juste que normalement, on descend par l'arrière, monsieur, dame. C'est ma faute. Hop. On va retourner en vue interne, s'il vous plaît.
Pour terminer déjà, on va voir Burn Off, Krakenos, voilà, 11h52, il est 11h38, donc on va mettre 51, 11h51. Donc ça, vous pouvez pas le voir, c'est le menu que je vous ai parlé, et vous pouvez pas voir. On va aller à Krakenos normalement pour le départ, mais c'est obligé pour que ça sauvegarde la ligne. Hop, voilà, donc ça aussi, je suppose que vous pouvez pas voir, mais en gros ça me dit que j'ai réussi la ligne quoi. Donc je vais éteindre le moteur, voilà, je vais éteindre je vais éteindre l'alimentation du bus, voilà, je vais éteindre aussi le chauffage, et puis je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook, etc. etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Yeah.